l'électricité et l'eau, pour eux, c'est ressources infinies, quoi. Le truc, c'est que j'ai l'impression de passer complètement à côté. Je me suis fait piquer et ça a bien gonflé. Ben voilà, ça se voit. Et j'ai l'impression que c'est tellement facile pour les autres. Bon, il y a encore quelques journées compliquées, mais je commence à sortir, je commence à voir du monde, je commence à avoir des potes. OMG! Passer ce poster-là à la fin du match. Du coup, il y a toutes les dates. La lumière, c'est pour ça, mais il y a toutes les dates et les équipes contre lesquelles on joue. Donc c'est cool, c'est vraiment cool. Je pense que j'irai en voir plusieurs dans la saison, du coup. Après, j'ai eu ce t-shirt, donc qui est le t-shirt de l'ouverture de saison, quoi. Je sais même pas si on peut dire ça, mais du coup, il y a la date. C'est trop cool. On avait ça aussi parce qu'il faisait extrêmement chaud et de l'autre côté on a encore les dates. Donc voilà, il faisait extrêmement chaud, donc c'était pour faire du vent. Et puis ils nous ont passé ça parce que nous sommes en Floride et que la pluie ne prévient pas. Et en fait c'est une serviette. Voilà, donc c'est des goodies un peu particuliers, mais c'est la Floride. Du coup, voilà, je suis assez contente parce que c'était un très bon souvenir que je vais avoir. Donc voilà. Thank you.
mardi 14 septembre. Il est 17h40. Et je reviens de la salle. Pause. Je sais pas si vous avez entendu, mais mon voisin a fait le sifflement de Hunger Games, d'accord? Jusque-là, normal. Mais il l'a fait pendant tout le semestre. Et j'ai été incapable de reconnaître le sifflement malgré le fait que je le connaisse. Ça m'a frustrée pendant tout le semestre. Voilà, j'avais besoin juste d'en parler. Voilà. Aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup travaillé. Hier, pareil, j'étais en cours. J'ai été manger avec un ami. Mais voilà, écoutez, je prends mon rythme petit à petit. Je profite, dans le sens où dès qu'on me propose de faire un truc, je dis oui. Même si je suis fatiguée. Même si des fois j'ai des devoirs, je fais en sorte que je les rende à l'heure, mais j'essaye de pas rester dans le mode de vie que j'avais en France, dans le sens où en France j'avais tendance à rendre mes devoirs en avance ou ce genre de trucs. Là vraiment j'essaie de profiter, donc faut trouver un équilibre, mais voilà. Ça va faire bientôt un mois que je suis là et j'ai remarqué aussi que j'arrive beaucoup plus à aller vers les autres. C'est pas une question de la langue ou quoi, c'est juste que j'y arrive plus dans le sens où j'ai été voir un certain nombre de personnes et il y en a très peu qui ont été froids ou quoi que ce soit. Donc maintenant j'ai plus peur dans le sens où au pire on me dit non, en 3 mois je suis plus là, on me dit dégage, j'ai envie d'être seule, je sais pas. Et au pire on me dit oui et puis voilà, au moins ça m'aide et tout, ça va peut-être pas devenir mes meilleurs potes, mais ça fait toujours du bien de parler à quelqu'un, voilà, enfin je passe déjà beaucoup de temps seule, donc oui aussi j'étais à la salle et tout sur mon petit vélo comme d'habitude, et là je vois un amas de personnes devant mon immeuble, et au début j'ai cru que c'était, je sais pas, des gens qui comptaient faire quelque chose dans l'immeuble. Et en fait, c'était l'alarme incendie qui s'est déclenchée. Donc j'ai compris après. Et voilà, mais rien de brûlé, hein. Mais je sais pas pourquoi elle s'est déclenchée du coup. Mystère. Can you explain the situation here? Yes, so one of our friend is lost and yeah. we're trying to call him, so get his location, okay, and then we're probably going to locate him. Hi, I'm Aaron. These are pretty, pretty. Downtown Tampa's pretty good, but usually there's not a lot of people that come here. But it's fun. You got a big muggy park right here. If you step in it, it's pretty wet, and that's not very fun. But it's pretty. UT is right there. You can see it fine. Yeah, we're just chilling, having fun. Love from Tampa, Africa. Everywhere. Bye. We couldn't find our friend, so we went to a different park, and what happened there, we kind of enjoy. I kind of sat on a children's spinning something and I spin, and it was dizzy, and now we are going to find our friends again to a different location. This time we have their location, so we will find them. Keep me posted. See you next time. So we've been following this guy named James, who's supposed to be our leader, for about 20 minutes now.
We have no idea where he's been, but it's like a goose chase. We try to get to him, and he just goes somewhere else. So I don't know what we're gonna do now. We're walking back. We might never see the light of day again. I don't know. Voilà, nous sommes samedi 18 septembre et il est 18h15. J'ai l'air extrêmement rouge. Le soleil était là aujourd'hui. Il n'a pas plu une seule fois. Et aujourd'hui, je devais aller au Alexander Springs, à Ocala. Mais il ne devait pas faire très beau aujourd'hui, donc ils ont finalement annulé. Ils n'auraient pas dû. Du coup, voilà. Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui à la place? Je suis allée voir un match de soccer, donc l'équipe masculine cette fois-ci. On a perdu. Mais du coup voilà, et puis après j'ai été faire les fripes avec des amis. J'ai oublié de vous filmer l'intérieur de la friperie. Je suis tellement dégoûtée parce que j'étais tellement dans le truc et tout que j'ai oublié de filmer. Mais bon, c'est pas grave. Dimanche 19 septembre et il est 11h44. Ça fait un mois précisément que je suis ici. Je ne pensais pas tenir jusque là, mais nous voici, nous voilà. Du coup, aujourd'hui, j'ai fait le roommate agreement, donc un espèce de contrat que tu passes avec ta coloc sur les règles de vie, de sommeil, tout ça. Donc voilà. Leslie got strawberries on her rice bowl. Let that sink in. What is that? What is that? Yeah. What is that? You charged me. Get a close up of that. You charged me. What is that? What is that, huh? That's me. Hi. This is what I'm dealing with. Think I can survive? Why? Like and subscribe. Follow from what? I have 400 videos to edit. So 400? Yeah. Beyonce, what can I say? Beyonce, that's it. Oh my god. Yeah, no, it's not staying up. Hola. Hola, ¿cómo estás? Bien. ¿Y tú? Good. Thank you. What is it? I don't know. You don't know the name? The perfect pick-me-up. Mango, dragon fruit, Starbucks refresher of water. How many stars? In terms of like flavor, very good. It's probably like 5. Sweetness, I don't like things that are like super sweet. It's also 5. So it's pretty good. Because of 4 stars. 4 stars. Okay. Nothing's ever perfect. I did poop. You're right. No. I didn't, yeah. No. We're not going to the beach right now. The beach is that one. Bruh. La playa es. Oh, so we should. Du coup, en plus, on s'est trompé de chemin. Oh, c'est bon. Can you speak French? Pain de merde. Oui, oui. Croissant et mon père. Menu. Menu. I am very menu. No. Mignon. Mignon.
is cute. I know, that's what I am. Sorry. Il va finir dans l'eau. Ça peut être marrant. On peut avoir un beau spectacle. Bref, sinon il fait très beau aujourd'hui, donc du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai enregistré le podcast avec Sam. Et puis, puis voilà. Il m'a même pas attendu. Your number one fans. They're just so attracted. Oh. Dang, look at those. The way he waddles is just so cute. You mind lending a feather, my guy? I have a little vlog for them. What's your name first? My name is Ryan. Oh, 여러분 안녕하세요. 저는 Ryan이고요. Can I speak in Korean? Yeah, sure. Why are you keep your angle like this low? You have to be like this. Sorry. Yeah, that's much better, right? Hi, world. I'm from South Korea. I'm a USF student, exchange student. This is Maxine, my dog. What? This is Maxine, my friend. He's from, where are you from? France? And he actually played the role Jesse at the Breaking Bad. That's me. So if you want to buy it, that's $1,000 and I have my PayPal account. So if you want to buy it, that masterpiece, just contact me. Yep. Les frontières ne rouvrent pas avant novembre. Ma famille devait venir fin novembre. Mais ça ne se fera pas. Voilà, voilà. J'ai pas fait grand chose aujourd'hui. Je suis allée en cours, j'ai travaillé, puis c'est tout. Mais il y a des jours comme ça, hein, il faut bien que travailler aussi. Hein. Je suis un peu là pour ça. Donc voilà, je suis en train actuellement de monter le podcast. J'ai voulu débuter le montage de ces nombreuses vidéos. Je suis actuellement à 387 vidéos. Ça fait un mois que je suis là. Donc je me suis dit, Leslie, essaye de faire un montage, commencer et tout. Leslie, si tu m'écoutes, relève le téléphone, c'est relou de voir tes trous de nez. Vraiment, genre, on en a marre.